Nous sommes à la veille du départ de la course L'Aventurière, la course extrême de la run de Saint-Mexant-l'École. Dernière réunion avec les bénévoles afin de se caler avec le staff. Un staff sur le terrain jusqu'à la dernière minute. Au-delà de la course, L'Aventurière est un défi logistique et humain hors norme. Au niveau logistique, ça fait une semaine qu'on est dessus pour bien caler tous les obstacles. Ça représente au niveau matériel 5000 euros de matériel, ça représente 1000 pneus, ça représente une base de 20 mètres par 6 mètres, des filets, il y a beaucoup de matériel, des KC20 qu'on va mettre en place. Donc oui, au niveau logistique, ça demande des gros moyens. Plus de 500 coureurs se sont donné rendez-vous pour cette deuxième édition. Cette année, comme l'année dernière, L'Aventurière ne déroge pas à sa réputation. 22 obstacles sont répartis sur 10 km, une épreuve qui met à mal les corps et les esprits. Ce qui est particulier, c'est tous les obstacles. Moi, j'ai l'habitude de courir toute l'année, mais sur des courses classiques. Semi-marathon, 10 km, trail, j'ai fait trail de montagne aussi. Mais là, c'est vrai que sur un 10 km, tous ces obstacles-là, on est très vite fatigué. Ça, c'est vraiment particulier. Et c'est vrai qu'au bout du deuxième kilomètre, j'avais pas du tout géré, j'étais très fatigué. Très belle aventure, de beaux obstacles. Tout le monde cède quand même, et voilà, il y avait en équipe, on peut faire un beau truc, c'est vraiment sympa. Après, nous, on était que tous les deux, mais nickel, hein, après, c'était bien. Je suis rassé. Voilà. Cet après-midi, dans les rues de Saint-Mexant, l'esprit run était bien présent. L'Aventurière a respecté ses promesses, offrir de la souffrance, mais surtout beaucoup de joie. Rendez-vous l'année prochaine pour la troisième édition.